Mais frère, Après, est-ce que vous êtes... défensivement parlant. Non, je vais poser une question au chat là. Je pense pas. Laisse-moi juste poser une question au chat. J'ai l'impression que je suis peut-être le seul à avoir cette mentalité là. Oh, Icone, Icone. Oh, la carte de Zinzin. C'est vendable. Séquestré pour bosser un club. Et quelqu'un de séquestre pour faire les clash équipes là, je reconnais. Oh non, mais c'est trop, non, mais c'est trop là. C'est trop là. Oh. Comment démarrer cette journée? En achetant Matteo Stotti à 3 millions? En achetant un milieu de terrain 3 millions vendables sur le marché? Matteo Stotti. Je vais mouiller la nuque les gars avec cette carte. Faut se mouiller la nuque. 95 d'accélération. Vous me demandez les gars, si vous vous demandez comment j'ai autant de crédit. La vente de Toni Kroos. Vente de Toni Kroos, je me suis fait 80 000 dessus. Et aussi j'ai vendu, bon là c'est une défaite les gars. J'ai vendu toutes les lignes Seoran. Je les avais achetées environ 102 000, 101 000 en moyenne. 101 000 en moyenne. Donc là je fais une perte environ 150 000, 200 000 sur les lignes Seoran. Mais bon en vrai ça me dérange pas tant que ça. Parce qu'en vrai les amis vraiment. Cette dernière semaine je me suis fait, pour rester correct, je me suis goinfré sur des Bukayo Saka. Même Toni Kroos 80 000 par-ci, 80 000 par-là. Même Karim Benzema, en vrai, je l'avais acheté. Karim Benzema, je l'ai acheté combien? Je l'ai acheté 880, je crois. Tu vois, c'est le genre de carte comme ça, 886. Je me suis fait des crédits. Donc, en vrai, ça me dérange pas de perdre un petit peu parce que je vais sûrement reperdre avec cette vente de Matthäus. Et là, du coup, au milieu de terrain, Liam, il aurait vu lead X Matthäus, les gars. En fait, et si c'était moi-même qui avait créé le propre monstre qui va me détruire? Ouais. En fait, c'est comme ça que je visualise la chose. C'est moi-même qui crée le robot qui va me détruire. C'est terrible, les gars. Aïe 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 aïe, 3 millions 110. De toute façon, tant pis. Comme Charlton, c'est ça, Guillaume, en fait. Ah, mais bon, les gars, 3 millions, je pense que je le joue ce week-end et je le revends, hein, je te le dis. Après, c'est une opportunité, les gars, de se faire des crédits dessus. Moi, je vais le revendre. Hein. Après avoir testé. Et aussi, les frérots, j'ai récupéré Hector Bellerin. Du coup, on va se le tester en. Marceau, pourquoi tu me touches l'épaule comme ça, Vince? Tu ne pourras pas, tu pourras plus t'en échapper. On verra. Une fois que t'as goûté un milieu de terrain tir puissant plus, dans certaines situations, il va manquer quelque chose dans ton jeu. D'accord. Merci, Vince. Merci, merci. C'est 3 millions de crédits, chef. Non, mais c'est Marceau, il comprend pas ce que c'est 3 millions de crédits sur un joueur. Du coup, les gars, comment je vais jouer une game? Je vais jouer en 4-3-2-1. Mais du coup, faudrait peut-être que je mette Matthäus à droite hein, pour les power shots. Donc, du coup, cette instruction. Attaque équilibrée, Matthäus, toi tu mets rester derrière en attaque. Moi je mets rester derrière en attaque, mais après toi t'as déjà Gullit, frère. Mais de toute façon, avec le Matthäus de plus 3 là, moi j'aurais pu le faire. Sauf que moi je préfère Zidane, tu vois, qui monte parce qu'il est beaucoup plus offensif. Après, moi pour te dire. Mais est-ce que toi t'as tes deux milieux de terrain qui sont en attaque équilibrée? Moi j'ai. Ou t'en as un qui est resté derrière en attaque? Moi j'ai mes. Alors regarde, moi j'en ai un, le ton Gullit, moi c'est mon Matthäus. Rester derrière en attaque ou vrai centre? Bah, tu sais quoi, les deux, je vais les laisser en attaque équilibrée. Rester derrière en attaque à gauche, parce que moi j'ai Hernandez. Et j'ai Zico. Ouais, tu sais quoi, non, les deux, je vais mettre attaque équilibrée. Parce qu'après, toi, t'as Rolfo et t'as Bellerin. Après, Bellerin, je sais pas comment il est. Ouais, Bellerin, on va le se tester. Ginola MC, l'escroquerie doit se terminer pour de bon. Mais bon, son SBC, il m'a coûté trop cher. Je peux pas le mettre sur le côté, Ginola, encore. Il m'a coûté trop cher, faut que je le rentabilise encore un peu plus. Et peut-être, les gars, en vrai, ça me chaufferait, pourquoi pas, de tester un nouveau buteur. Karim Benzema. Sympa, très très grosse carte. Si je vois que je peux me faire un petit peu de profit, s'il devient un petit peu rare, on va se le vendre, on va pouvoir se tester un nouveau but. Parce que là, il me reste quand même 1,1 million de crédits. Sachant que dans ma liste des transferts aussi, je vous l'ai pas dit les frérots, mais dans ma liste des transferts hier soir, j'ai investi sur des boosts à 24 500. Ouais, j'ai peut-être réinvesti peut-être 500 000 dessus. Donc en vrai, je suis content et j'espère que ce soir les 83 x 10 qui reviennent. Bon les gars, c'est parti pour le premier match Foot Champions. Je l'ai même pas dit, mais sur YouTube, n'hésitez pas à liker comme d'habitude les frérots. Ça aide grandement et pense au petit pouce bleu et à l'abonnement si c'est toujours pas le cas. Si tu veux pas rater les prochaines vidéos, sachant que les gars, petite chose pour vous prévenir, on sera pas en live, du coup, mardi, mercredi et jeudi. Et on va revenir vendredi parce qu'on va être avec des potes à rouler en Tika. On va faire 2-3 jours off en détente. Donc ça va être bien sympa. Donc la semaine prochaine, les gars, il y aura peut-être pas trop de streams sur Twitch. Elle me fait grave penser, moi, les gars, que je suis amené à Patrick Vieira en vrai. Tu vois, c'est pas le plus agile, balle au pied et tout, mais franchement, il bosse de fou, quoi. Bien joué, Liam. Oui. Oh, vas-y, rentre. Oui. Bien joué. Faut que j'essaie de progresser un petit peu sur les petits piquets comme ça, moi. Parce qu'en fait, avec le playstyle de Joao Félix, de temps en temps, je les utilise, mais peut-être que je les fais mal. Donc là, en vrai, tant mieux. Wesh, l'équipe de Zinzin. Il a Adopo Rice. Ah oui, le frérot, lui, rigole pas. Tiens, Kanji Vince, je pense, les gars, que je vais mettre Akanji dans le choix Icon 6 ce soir. Je préfère être honnête avec vous, ça peut en choquer quelques-uns, mais c'est comme ça, les frères. J'ai déjà mon Rudiger Evolution. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. J'ai fait 20-0 et 10-0 en playoff avec lui. Oh Karim, oh Karim. Mais t'as vu là, il fait Karim, un extérieur. Karim, 5 GTI X tir en finesse. Ouais, t'as vu là, j'ai fait un extérieur, mais comme j'ai appuyé sur le truc tir en finesse, bah ça a fait ça. Et frère, je te dis, monte dans le train des tirs en finesse, toi. Ouh là là. Concéder 2 buts au moins par match dans 4 matchs avec Hector Bellerin déjà. Ok.
Donc tu dois concéder 2 buts au moins. Donc déjà, je vais faire un match. Et après, c'est quoi? Parce qu'en vrai, ça, c'est le genre de truc. Adresser 3 passes décisives avec Hector Bellerin. Ok. Le V, il est jaloux, hein. Oui, magnifique. Oh, il y a hors-jeu. Oh, il n'y a pas hors-jeu là-dessus. Il n'y a pas hors-jeu. Bizarre. Curieux. Il est 19h, les gouttes. Est-ce qu'il y a des 83 x 10? Moi, je pense que si. J'espère. Je croise les Déjà, il y a le Chouaïcon qui est revenu. Banger. Ouais. Banger. Prévisible. Allez, donne-moi 83 x 10. Oh, bon Dieu. Ça, il était déjà là en plus. Ouais, il était déjà là. Ok, ça, c'est des matchs de Eurodivisie. Eurodivisie 84 x 5. Normalement, bah, si c'est des boosts, moi, ça monte. Hein. Ouais, ça demande un boost, ça va monter. J'aurais préféré 83 x 10, les gars. Moi, je te mens pas, Vince, la dernière fois, les 83 x 10, ils étaient bien gaze. Là, ils en demandent combien par jour? 3? Ouais. Ça me dérange pas. Sakina Karchaoui. Alors, renfort connexion quotidienne, les frérots, n'oubliez pas. Sakina Karchaoui. Ah, c'est une grosse carte, hein. Après, c'est comme tout. C'est comme n'importe quelle carte de Karchaoui cette année. C'est. Est-ce que t'aimes bien jouer avec des. Une latérale gauche toute petite? Le problème, ça va être le fait qu'elle soit. Qu'elle va se faire, entre guillemets, bouger à l'épaule et qu'elle prend pas forcément beaucoup de place. S'il y a des centres au second poteau, quoi que ce soit, t'es fini. Ouais, t'es fini, toi, ça c'est sûr. Après, balle au pied, ça risque d'être quelqu'un. Sakina Karchaoui. Attends, monte 5 équipes? Ouais, c'est cher quand même. Après, c'est cher, mais sur le marché, cette carte-là, elle est à combien? Tu vois, c'est comme tout. C'est pas donné, les frérots. Mais d'un autre côté, je trouve pas ça non plus. Ouais, le SBC va te coûter peut-être quoi? 600 000, 700 000? Oulala! Qu'est-ce que c'est que ça? Oulala! Chef! 250 000 l'évolution? Mon dieu! 9 défis! Wow, chef! C'est un jeu double 5, j'espère, à 250 000. Tu gardes les mêmes stats? Mais c'est vraiment double 5. Oh, chef, attention, ah, je sais pas, les gars, c'est 250 000? Est-ce qu'il y aurait pas Anguille sur Roche, là? Moi, les gars, personnellement, je vais passer. Après, elle reste 20 jours. On la laisse là de côté pour l'instant, mais bon, 250 000 crédits. Non, on met ça de côté, je suis d'accord avec toi, chef. We move. Bon, les frérots, je fais encore quelques matchs de Champions, après, on fait mon choix. Attends, il y a une Karchaoui qui coûte moins cher que l'autre, par contre. Ouais, je crois que t'as une équipe en plus pour celle d'il y a mauvais pied. Mais c'est celle de l'équipe en plus qui coûte moins cher de 100 000 crédits. Regardez bien, les gars, dans les deux Karchaoui. Je crois qu'il y a vraiment, pour le coup, l'équipe en moins. Regardez, je vais vous montrer. Vite fait, à l'arrache, là. 568 000, il demande 6 équipes. 656 000, il demande 5 équipes. Mais même pour cette différence-là, moi, je vous conseillerais de prendre 5 GT. Oh, j'ai la chance. Oh, le Bobby Charlton. Oh mon dieu. En fait, c'est trop cheaté. Quand tu sais maîtriser ça, c'est trop cheaté en fait. Ouais, power shot sur un mitard, c'est vraiment le level au-dessus. Charlton. Et j'ai vu aussi, alors peut-être. Alors, j'ai vu tout à l'heure, les gars, que le SBC de Sawa Ikon Tochi a expiré aujourd'hui à 19h. Ouh la vache. Voilà, Félix. Les gars, Ginola, il faut dire les termes. Ginola devant les buts, c'est vraiment pas ça. Quand même, faut se dire les termes. Depuis, allez, un bon petit mois, je trouve que. Oh oui, Mataus. Je trouve que, alors, Mbappé défend beaucoup plus avec le PSG. Je sais pas s'il y a des frérots qui ont la même observation que moi, mais je trouve que depuis quand même quelques semaines, Kylian Mbappé fait un tout petit peu plus de tâches défensives. Peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. Depuis que je pense qu'il a officialisé son départ, je pense qu'il est en mode, vas-y, il est en mode mission, tu vois. Recule pas. Oh, c'est une folie, j'aurais dû la croiser. Penalty. Quoi? Il va quitter, lui. Il va quitter. Matos, let's go! Liam Matos, il les rate jamais en fait les pénaux. Oh, je pensais. Attends, faudrait que Matos, il les rate jamais les pénaux, Liam. Ah non, là je lève les mains, je comprends pas pourquoi il est pénalty, il m'a attaqué par derrière. Et là, on repense à ces fameuses images la semaine dernière, en début de semaine, les doubles 5 euros pour RG. Ouais. On y repense. On y repense maintenant. Ouh, 5 derrière, Bastoni, Compagnie, Lucio. Waouh! Are you him? Are you him, Liam? Oh oui, oh oui, oh oui.
Oh, oh, Lothar, oh. Oh, il s'est passé une dinguerie là. Vous pensez les gars, c'est Stick Drift Carvara, le triple menace. C'est peut-être la première fois que je l'affronte cette année. Les gars, Bellerin pour une carte gratuite, c'est bien. Moi, je la trouve un peu trop frêle la carte. Ouais, physiquement, il est, tu vois, un peu, il est frêle un peu. Il est un peu léger physiquement quand même. Mais pour une carte gratuite, franchement, ça bosse hein. Ouais. C'est quoi ce jeu? C'est wow. Vraiment les gars, ce jeu, il a franchement, c'est l'écœurant de marquer ce genre de but. On prend hein. Mais mon dieu. Ça sera 18ème. Bon, à la Charlton, t'es ce gars là. Le goal sort pas. T'es ce gars là, Charlton. La récupération de Rolfo, hein, ultra importante. Mon dieu, ce but. Après, c'est un match 50-50, ça, Liam, pour le coup. Merci David. Merci. Bien joué. Match piège de fou les gars. Ouais, ça c'est vraiment un match piège pour le coup. Le mec match il a piège, pas une grosse équipe. Le mec il est pas mauvais. Le gameplay il fait des trucs bizarres des deux côtés. Maldini. Oh Avertz, ça fait longtemps que je l'ai pas affronté Avertz. Bien joué, oui, ça. Oui, Karim. Bien joué. Bien joué, ça, Liam. Simple et efficace. Faut pas que je me casse trop la tête ce soir dans la finition. Ou sans faute. Oh, bien joué. Oh, 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 oh. Chef. Je te jure, Gullit, je le trouve de plus en plus fort. C'est une folie. Pas de hors-jeu. Le go sort pas. Allez, je vois Félix au rebond. Bon, les frères, on est encore dans 7-0. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Par contre, je vais récupérer le pack 10 joueurs 83+. Comme ça, on est toujours invaincu. Comme ça, on prépare le choix. Et c'est carré. Allez, première équipe. Dandil. Du coup, les gars, j'envoie la deuxième. La première équipe 87. Il m'en restera une deuxième. Je mets Ashley Cole que j'avais tapé durant les packs icônes encore. Les gars, le volume de jeu de mon club, c'est zinzin. Je fais Tchouaméni en mettant 0 crédit, là je fais le choix icône en mettant 0 crédit. En fait c'est ça avoir un volume de jeu dans FIFA. Bonne chance Vince. 55 d'agressivité, 80-80. Déjà 80 d'endurance pour moi c'est injouable. Ouais, c'est nul. Ça genre c'est Winter Wildcard en fait. Ça c'est Winter Wildcard hein, du style. Owen ça. Aïe. C'est Winter Wildcard ça. C'est un Owen ça. Les gars, il faudra qu'on en parle prochainement dans... Ouais. Il est une évolution, Mint. C'est une semi-win. Bravo, mec. Félicitations. C'est Yashin DC. Pourquoi j'ai fait le golemon à rigoler comme un idiot, là. Bah, Vincent, il arrête pas de me copier. C'est horrible. Dès que j'ai un bon joueur dans un pack, Vincent, il me copie. C'est horrible. Pour moi, c'est pas une si grosse victoire que ça. En plus, tu le mérites même pas. Je te dis les termes, tu le mérites même pas si tu dis ça. Les gars, c'est terrible si je dis ça parce qu'en fait, j'ai... Bon, c'est très sympa et c'est très cool. Merci. C'est qui tes deux décès là? Mais j'ai trop de décès en fait. Je vais vous montrer les gars dans ah mon oui, club. Ah oui, là maintenant, il y a un problème dans ton effectif là. Il y a pas de problème, il y a que des solutions ici, il y a mon club. Oh, le nombre de décès. Ah, faut se mouiller la nuque. Hein. Ah, après, défensivement parlant. Non, je vais poser une question au chat là. Pense pas. Laisse-moi juste poser une question au chat. Les frérots, j'ai l'impression que je suis peut-être le seul à avoir cette mentalité-là. Oh, Icône. Oh, la carte de Zinzin. C'est vendable. C'est vendable ou pas? Attends, c'est quel pack ça, wesh? Incroyable. Ian Wright. Oh, non, je crois pas que c'est vendable, attends. Oh, c'est quoi? Dis-moi, c'est 5 GT. Let's go. Bamo. Mais il a fait quelque chose avec vos animations. C'est le buteur qui pense être Ian Wright. C'est vraiment le buteur qui pense être. Les gars, en plus, tu veux vraiment. Que je te dise les termes, même. Tu veux que je te dise les termes? Mais Jean-Félix qui se casse. C'est Benzema. Je vais revendre Benzema, les gars. Ah, oh, c'est vrai. Je vais revendre Benzema. Oh la folie. Il est combien sur le marché? Oh la folie que c'est. 600 000 crédits, hein. Mon dieu. Bon, on va terminer le Fut Champions avec Ian Wright. La question que j'allais vous poser, les gars, avant que l'affreux et l'infâme Liam pack une icône. Ouf. Honnêtement, moi j'ai quand même beaucoup de mal, les gars, à jouer avec des cartes SBC que tout le monde joue. Et par exemple, Akanji.
Le fait que tout le monde joue avec lui, bah moi ça me donne vraiment plus envie de jouer avec lui. Et je ressens, le seul truc avec quel joueur je ressens là actuellement, c'est Cafu. Cafu, tout le monde le joue, bah j'en ai marre de jouer avec. Par contre les gars, Mataus là, je peux peut-être le vendre. Vends-le alors, Niam. Tu te fais 150 000. On va voir. Attends, c'est un 80... 84 x 5 ça? Faut faire des SBC, chef. Oh, par contre, la pièce, elle est lugubre, frère. Tu joues dans une cave ou quoi? Tu joues la cave, ouais. Tu joues dans une cave. Derrière, non mais attends. Chef, la pièce, elle est vraiment lugubre. Mon frérot, tu nous dis si t'es en danger. Hein. Séquestré pour bosser un club. Et quelqu'un de séquestre pour faire les clash équipes, là, je reconnais. Oh non, mais c'est trop, là. C'est trop, là. Oh! 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 C'est le double 5! Oh! Il y en a combien des double 5? Oh! C'est quoi les gars ça? C'est quoi ça? Oh! Oh! Frère, j'ai vu Bulgarie! Qu'est-ce qui se passe, chef? Oh oui! La oh vache. Mon dieu! 5 millions de crédits! Oh mon dieu! Vincent, je lui ai dit, calme-toi! Reste dans ta zone! J'ai vu le drapeau bulgare, les frérots! Je me suis dit direct tout de suite c'est lui. Montre-moi la carte de Stockhoff, Flamme, calme-toi. D'ailleurs ça j'ai pas apprécié. Le petit coup comme ça j'ai pas apprécié. Sache-le. RG, j'espère que tu vas pas me mettre la biscotte, RG. C'est Vincent qui est venu me provoquer, RG. C'est Vincent. La Mais tu dois pas réciproquer comme ça. Tu dois pas répondre comme ça. Ah bon? Tu dois pas répondre comme ça, Liam. Je suis rentré dans ton jeu. C'est toi qui a pété les plombs. La carte de Zinzin. Tu sais que moi il me donne des vibes de quoi? Il me donne des vibes de Puskas, Fut Moments, FIFA 22. Et moi les gars ils me donnent. Il me donne des vibes de Puskas, FIFA 22, les frères. Ouais, Sandra Panos qui dit à Stoichkov pendant l'animation, ouais, va t'asseoir sur le banc un peu, c'est ma lumière. Il peut jouer BUACADAG, donc ça pour potentiellement la création d'équipe, mouah. Il peut jouer ACADAG, déjà juste ça c'est une victoire. Vincent, laisse-moi profiter mon moment. Attends, je regarde. Laisse-moi faire ma rencontre avec Stoichkov. Arrête, c'est pas ton moment, Vince. C'est pas ton moment avec la carte, c'est mon moment, arrête de toujours vouloir la lumière, c'est mon moment avec ma carte. Je voulais découvrir ses playstyles plus tard. Là je suis en train de profiter de ses stats. Les gars, il manque deux playstyles pour moi. Infatigable et extérieur. Ça va partir dans le prochain SBC. Oh, il est horrible. 38 de l'UCD défensif pour un buteur, ciao. C'est quoi les gars, pour moi, je vous dis la vérité, c'est même pas un vrai buteur lui, pour moi c'est un ailier. Ouais, c'est ce que je me dis. Hein. Vraiment les gars, je vous dis la vérité, droit dans les yeux, pour moi c'est pas forcément un buteur. Je sais pas si Ian Wright il va faire beaucoup de matchs en fait les gars. Par contre je vais dire les termes les gars, je pense que c'est les 5 millions les plus surcotés. Hein. Demain j'ai trop hâte de tester Stoichkov. Non mais c'est les Bulgares qui jouent avec. Non mais les gars, je peux dire les termes, je pense que 5 millions quand même pour la carte. C'est double 5, c'est une nouvelle carte, il est sorti dans les packs seulement hier, ça n'a rien de base, c'est une carte qui va coûter 2,5, 3 millions. Que si seulement il n'y avait pas le truc contrôle, mais le truc tir puissant plus ou tir en finesse, mon dieu la carte. Mais tu sais que lui, dans, tu sais que regarde sa stat de force et d'agressivité, lui dans le jeu, il est vénère lui. Ah, je pense qu'il doit mettre des coups d'épaule. Lui, il est vénère. C'est clairement un buteur, je pense qu'il veut le faire jouer buteur. Ouais. On parlait de la mafia hongroise, les gars, je pense que... La mafia bulgare, ouais. On va ouvrir un nouvel arc. Mafia bulgare. En Bulgarie, le crime organisé bulgare est Grupirovka. La mafia. Oh, je suis choqué, les gars. Non, mais on va arrêter là, ça sert à rien d'ouvrir le choix les gars. Oh, Vince. On va partir sur des choix Timandouik. Vince, il aime pas quand j'ai mon moment. Morgan, chef. Morgan, c'est qui derrière? On s'attend à tout maintenant. Jordi Alba, doublon. Les gars, Liam, il est injouable. J'ai l'impression de revoir des flashbacks de Liam différents, injouable. On va l'affronter comme des grands garçons. De toute façon, honnêtement, les gars, ce choix-là, ce soir... En fait, c'est le dernier de tes soucis. C'est vraiment le paillasson. C'est vraiment l'issue de secours. Vraiment, je m'essuie les pieds sur ce choix icône ce soir. Donnez-moi rien, Yé. Je m'essuie les pieds sur ce choix icône, si tu veux. Let's go pour mon choix icône 88+. Vraiment, c'est pour ce coup-là, Yé, merci. Mais donne-moi rien, t'inquiète, je vais m'en sortir. Vraiment, pour le coup, je vais m'en sortir. C'est parti, les frérots. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme d'hab, les gars. Merci beaucoup du soutien. Merci, les gars, du soutien. C'est parti pour mon choix icône. C'est gros. Plus c'est gros, plus ça passe après, derrière. Après, Liam, déjà ça se voit beaucoup. Si en plus. Non, ça aurait été trop. Demain, je vais terminer mes 20 matchs, je vais avoir le sourire. Les frérots, merci les gars du soutien aujourd'hui. Franchement, les frérots, je me serais régalé. Hein. On se sera staté aussi pas mal de petites cartes avec Mataus, Bellerin et tout, mais incroyable. Merci les gouttes. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, les frères. Gros bisous, les frérots.